Salut les gars, c'est Frédéric de Footpack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de comparer les maillots réplica et les maillots de match. Alors, depuis quelques années, les marques ont pour habitude de lancer plusieurs gammes de produits concernant les maillots. Vous avez les maillots réplica destinés aux supporters et vous avez les maillots de match destinés aux joueurs pendant les rencontres. Pour illustrer ces différences, on va prendre les nouveaux maillots du PSG. Or, le nouveau maillot du PSG est un maillot dit AeroSwift. AeroSwift comme le nom d'une nouvelle technologie. Cette technologie se distingue par deux éléments principaux. Tout d'abord, le double maillage sur les manches. Vous voyez, ces fines bandes sur les manches et aussi cette perforation. On peut remarquer que c'est une matière plutôt respirante et qui est très extensible. La deuxième technologie qui est assimilée à l'AeroSwift, c'est les bandes FlyVent. Les bandes FlyVent, c'est ces bandes qui sont sur les parties latérales du maillot. Lorsqu'on tire dessus, une deuxième couleur apparaît et on voit également des perforations. Ça permet une meilleure ventilation pour le joueur. Donc, c'est aussi un repère pour l'arbitre qui peut voir s'il y a un tirage de maillot ou non. Niveau esthétisme, on peut voir que lorsqu'on retourne les bandes d'un maillot de match sur les maillots AeroSwift, on voit des inscriptions. Donc pour Paris, on voit passion, on voit également grandeur sur la manche de droite. Et le dernier point, c'est que les maillots de match sont généralement plus fités, plus centrés que les maillots réplica. Les maillots réplica reprennent exactement les mêmes designs que les maillots de match, sauf que les technologies sont différentes. Vous voyez, vous n'avez pas de double maillage sur les manches. Le maillot est également moins fité, vous voyez, il est un peu plus large. Et on n'a pas ces fameuses bandes FlyVent. On a le design des bandes FlyVent. Et vous voyez, le rouge est apparent tout de suite sur le maillot. Donc quand on tire, il n'y a pas de différence. C'est ce qui permet de distinguer le maillot réplica et les maillots de match. Les maillots réplica sont constitués principalement chez Nike de la technologie Dri-Fit. Et l'étiquette, vous pouvez voir, est argentée et non dorée. Toujours chez Nike, certains maillots AeroSwift sont encore plus évolués avec ce qu'on appelle le Morpheus Design au niveau du torse. Vous voyez, au niveau des pectoraux, ça donne cette impression de bouclier sur le maillot. C'est des maillots un peu plus esthétiques. Vous pouvez le voir également sur le maillot de l'équipe de France. Donc le maillot away du PSG est doté de ce Morpheus Design. Et le Morpheus Design ne permet pas d'être assimilé directement à l'AeroSwift. Pour que ce soit AeroSwift, il faut donc le double maillage et les FlyVent. Pour les autres marques, c'est généralement le même principe avec des maillots réplica et des maillots haut de gamme, donc plus évolués, plus cintrés, avec des matières plus respirantes. Si vous êtes un supporter et que votre maillot vous sert juste à aller au stade, les maillots réplica sont très bien. Ils sont vendus généralement aux alentours de 80€. Par contre, si vous voulez des maillots plus techniques, plus respirants, plus évolués, on vous conseille les maillots de match qui sont vendus généralement aux alentours de 130€. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à nous poser vos questions supplémentaires dans les commentaires. Nous, on y répondra et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos sur Footpack. À bientôt.